aujourd'hui, nous sommes donc devant les bâtiments de V-Access, hein, qui sont les bâtiments de Petzl. Nous organisons les premiers championnats de France des cordistes. C'est une compétition sportive de cette profession qui évolue sur des ateliers où la vitesse est le critère déterminant qui va en départager les candidats. Et la sécurité est le critère, je dirais, qui est observé et qui peut amener des points de pénalité si elle n'est pas respectée. On a proposé aux entreprises spécialisées de constituer des équipes. Donc on a un classement par équipe et un classement individuel puisqu'il y a aussi des artisans individuels qui s'inscrivent. Donc on avait 4 épreuves de qualification, donc 4 ateliers différents on va dire. Une épreuve de sprint avec une montée plein vide, puis en descente, donc quelque chose de plutôt physique. Tu penses que tu vas garder? Un atelier qui propose un parcours un petit peu plus sophistiqué avec passage de fractionnement, déplacements horizontaux, montée, descente. Alors le métier de cordiste, c'est un professionnel qui travaille dans des sociétés de travaux d'acier difficile qui interviennent en fait en accès sur corde. Sur des chantiers de bâtiments, d'industrie, c'est des gens qui interviennent sur des confortements de falaises au-dessus des routes, donc des personnes dont le savoir-faire est un savoir-faire technique, mais qui a aussi un savoir-faire lié au déplacement et à l'accès sur corde. En même temps qu'on les arbitre, on surveille qu'il n'y ait pas de problème de sécurité, que les candidats ne se mettent pas en danger. Il faut être attentif parce que ça va vite, hein. Les gens ne sont pas là pour rigoler, donc les manipulations ça va très vite. Mais bon, on est dans le monde du travail avec des systèmes anti-chute, on a quand même une marge de manœuvre qui nous permet d'être serein et de laisser faire certaines erreurs du fait de cette anti-chute. Ici, tu es à 1 minute 15. Ah là 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 là. Et il y a un atelier plus technique sur du levage. Alors le but, monter la charge jusqu'à temps d'entendre la cloche sonner. Une fois la cloche sonnée, transfert de charge sur un autre système d'amarrage. Une fois qu'on a transféré la charge, on enlève notre système de mouflage, on le passe en système de descente, on redescend la charge. C'est en tête pour l'instant, on verra après le coup de sifflet quoi. Il y a un atelier lié au sauvetage, porter secours à un mannequin qui est bloqué sur sa corde et le ramener au sol. On est dans une phase de rodage de ce concept de championnat qui est complètement nouveau. Il n'y a pas de
concept comme on le connaît par exemple en élagage, avec des championnats par pays, ensuite des championnats d'Europe et après des championnats du monde. Donc l'idée, c'est un petit peu, petit à petit, d'accompagner cette profession pour qu'on puisse fédérer les cordistes autour d'un événement à la fois sportif et festif, quoi, et au niveau mondial. Là, ça va être à vue. Les finalistes sont dans une salle, ils n'auront pas reconnu le parcours, donc mode escalade. Ayudar a sanar, desciendo en fragmentos desde el cielo, pero ahora.